Mouvement très important en mode self-défense. Oui. Hein. Vous savez, dans les bagarres des gens qui ne savent pas se battre, il y a des trucs galères, parce que des fois on se fait attraper la nuque ici. Hein. Et en fait, il suffit que le mec il serre très très fort et tu ne sais pas comment sortir. Okay. Quand tu te fais attraper la nuque, c'est galère parce que tu te fais mal au cervical. Alors que la sortie elle est très simple. Okay. Donc, ce qu'on va faire, on va faire le mouvement au sol, admettons. Ça, il me voilà. C'est l'agresseur, il est trop méchant, hein, il m'a fait ça. Ah. Donc là, j'ai plusieurs façons de faire tomber d'ici, mais là, on va partir du principe où lui, il m'a emmené au sol et je suis arrivé ici. Ok. Tu peux relâcher, s'il te plaît? Oui. Attends, je vais juste changer d'angle. Donc, on va le refaire. Donc l'idée, vous le faites comme ça, vous faites doucement, il saisit, vous fait tomber. Donc, lorsque vous allez tomber, vous sentez que vous allez tomber, la première sortie, elle est dans la chute. D'accord? Ça va être comment vous allez vous réceptionner dans le sol. Si vous vous réceptionnez plein d'eau, ça va être plus galère pour vous de sortir. Ça va vous demander un effort supplémentaire. Donc, dès que vous allez tomber, votre objectif, c'est de vous mettre le plus rapidement possible sur le côté. Ok? Donc, on est là. Il fait tac, il m'emmène dans le sol. Je tourne. Et voilà, je me mets sur. Tout de suite, je suis sur le côté. Je suis sur le côté. Je ne suis pas là. Ok? Je suis sur le côté. Ok, avance ta jambe. Maintenant, l'autre point qui va être important, ça va être mon coude ici. Mon coude droit. Il faut qu'il soit en contact avec le sol. Ok? Ici, la position est dangereuse. En self-défense, mais même en jujitsu. Les judokas, les lutteurs, ils vous attaquent beaucoup comme ça, ils vous prennent comme ça, et ils serrent fort, et là, pour sortir, c'est une vraie galère. Donc, première défense, être sur le côté. Ok? Deuxième défense, avoir votre point d'ancrage, un point d'appui dans le sol solide. Votre coude doit être pris. Votre coude ne doit pas se retrouver sur son genou, par exemple, ou sur sa cuisse. Donc si ça se retourne, il faut que je vienne ici. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un support avec cette main-là. Donc du coup, je vais l'ouvrir. Ma main qui est ici, mon bras gauche en l'occurrence, je vais venir le poser sur ma main droite. D'accord? Je pose, en fait, vous avez vu, je pose ma main sur un support solide. C'est-à-dire que maintenant, s'il m'écrase, s'il essaie d'écraser cette main-là, ma main, hein, il ne peut pas parce que je suis dans le sol. Si je fais le contraire, vous avez capté, ça c'est un support. Ok. Maintenant ce que je vais faire, ce que j'ai besoin de faire, c'est de créer de la distance entre mon corps et le sien. Là, son corps il est trop collé au mien. Donc ça c'est pour avoir un peu d'air et pour respirer. Donc comment je vais faire? Avec mes pieds dans le sol, je vais faire des petites sorties de hanches et je vais commencer à le pousser. Sortie de hanche et je pousse. Sortie de hanche et je pousse. À un moment, je vais avoir l'angle pour passer ma jambe au-dessus de sa tête. Une fois que j'ai ça, je pousse tout simplement et je viens me relever le plus rapidement possible sur mes deux genoux. Se relever, c'est sur les deux genoux, c'est pas ici. C'est ici. Et là, on est relevé. Ok? Donc, on commence. On va se mettre dans notre position. Hop, on est là. Il m'a ramené. Donc, on peut tomber tout de suite. Je me protège. Je suis sur le côté. Je sors. Boum. Voilà. Là, c'est pas fini. Hein. Là, c'est pas fini. Je me contrôle. Avant-bras. Je me mets sur mes deux genoux. Pour me relever. Je vous assure, c'est pas très compliqué. Mais quand on ne sait pas le faire, c'est compliqué. C'est très compliqué. On peut passer beaucoup de temps à galérer. Et je vous montre un dernier détail, concept, sans faire la technique, mais vous allez comprendre le concept lorsque les corps sont collés et ils sont éloignés. Je suis là. Donc là, il est vraiment collé à moi, son dos est contre mon ventre. Donc, limite sans rien faire, regardez ce que je vais faire. Son corps, il va dans cette direction-là. Limite, regardez. Je me mets littéralement dans la même ligne que lui. Le fait d'être dans la même ligne que lui, il perd de l'équilibre. Vous avez vu? C'est ça que je dois chercher à faire.
prendre de la distance. Sorti de lui en fait. Hein? Parce qu'avant t'étais en dessous de lui. Je vais rester en dessous de lui, mais au début on est collé comme ça. Ouais. Et moi je vais. Plus je vais être ici, plus ce sera facile. Oh, et il y a le mouvement de l'avant-bras sur la gorge, jumelé à la force de la jambe sur la tête, et on retourne la situation. On essaye? 1, 2.